Ce mardi 6 février à 14h50 était diffusé le documentaire d'Ovidie, là où les putains n'existent pas. Invité de Jean-Marc Morandini dans « Morandini Live » sur CNews et Non Stop People, l'ancienne actrice est notamment revenue sur la terrible épreuve qu'a représentée pour Clara Morgan l'annonce de sa grossesse. En août 2015, Clara Morgan nage dans le bonheur et décide de le partager avec le public. À 34 ans, la jeune femme est enceinte de son premier enfant et l'annonce sur les réseaux sociaux. Malheureusement pour elle, les réactions ne sont pas celles qu'elle attendait et une bonne partie de l'opinion publique lui tombe dessus en raison de son passé. Un véritable lynchage en règle qui avait fait bondir à l'époque l'ancienne actrice Ovidie, « Ce n'est pas juste Clara Morgan que vous insultez, mais toutes les mères », avait-elle alors déclaré. Si les gens avaient pu lui ligaturer les trompes, ce mardi 6 février, Ovidie était l'invité de Jean-Marc Morandini dans « Morandini Live » sur CNews et Non Stop People. Venue présenter son documentaire « Là où les putains n'existent pas », dans lequel elle dénonce les dérives de l'État suédois dans sa lutte contre la prostitution, elle a pointé du doigt la façon dont, même en France, Clara Morgan avait été traitée à l'annonce de sa grossesse. Ça a été d'une violence inouïe. Je pense que si les gens sur Internet avaient pu lui ligaturer les trompes dans la minute, et il l'aurait fait. Évidemment, Clara Morgan ne s'est jamais prostituée, mais cet exemple illustre parfaitement une bien triste réalité. Par Benjamin R.